Si tu es un amoureux de la technologie et de l'invention, voici 10 inventions qui certainement t'ont échappé, car elles se sont perdues dans les couloirs de l'histoire. Avant de regarder, je te prie d'activer les cloches de notification, de t'abonner et surtout de partager. Depuis la nuit des temps, l'intimidation est un sport qui est propre au genre humain. À l'époque des guerres mondiales, des armées des pays très puissants se lançaient à des manœuvres qui étaient très particulières dans l'intimidation, bien entendu. Ce que tu vois, ce sont des armes de guerre qui ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles ne sont pas réelles. Alors, elles étaient posées au niveau des frontières entre les pays puissants et des pays qui voulaient sauvegarder leur souveraineté afin qu'à chaque fois qu'un État puissant veuille attaquer un autre État, qu'il se pose des questions parce que l'armement qu'il voyait en face de lui l'en dissuadait toujours. Pour les amoureux de l'agriculture, il n'y a rien de plus désagréable que de voir son tracteur bloqué dans une petite rigole. Alors pour éviter ceci, ce créateur a quelque chose de particulier, c'est qu'il a créé un tracteur avec des chenilles comme des tanks. C'est une création, une invention qui normalement aurait dû intéresser plus d'un agriculteur. Ne le croyez-vous pas? En 1933, la création de ce qu'on appellera la Dynasphère va clairement révolutionner le monde de l'automobile. Si vous voyez les pochettes de nouvelles créations de motos et de véhicules aujourd'hui, il apparaît clairement que la Dynasphère a été source d'inspiration de beaucoup de créateurs. Eh bien, combien parmi vous n'aimeraient pas voler dans les airs comme des oiseaux, avoir ce sentiment de liberté, de planer sur les villes? En 1954, l'hélivector est une création qui va permettre aux hommes d'assouvir au moins quelques instants ce rêve. Alors cette création, même si elle est ancienne, permet déjà aujourd'hui de se projeter avec de nouvelles créations, de nouvelles conceptions, des projets comme celui-là. Qui n'aimerait pas voir sa poste arriver comme un oiseau venu du ciel? Voici une création qui a plu à tout le monde à l'époque lorsqu'il fallait se lever de chez soi, se préparer pour aller à la centrale de la poste pour récupérer son courrier. Alors cette création permettait de recevoir directement sa poste de la maison. Même si ces créations étaient des échecs, elle mérite quand même votre attention parce qu'elle permettait de comprendre la créativité humaine dans le sens où les hommes voulaient absolument découvrir les cieux et se lancer au-dessus des nuages pour découvrir le paysage humain. En 1938, la création du plus petit vélo au monde va faire son expérience. Un homme, il est le seul au monde à avoir pu pédaler le plus petit vélo au monde. Il est parfois gênant d'abandonner sa voiture au bord d'un lac pour emprunter une pirogue ou un bateau. Alors, la mesure adéquate a été trouvée en 1963 avec l'Amphibious Car. C'est une voiture qui est amphibienne, qui peut à la fois être utilisée sur la terre ferme, mais aussi sur l'eau. Alors, voici en quelque sorte le prototype qui a été conçu dans les années 1963. Si tu ne sais pas nager, alors ce n'est pas un problème, cet inventeur sera ton idole. Il a réussi à créer, comme pour un bateau, des hélices qui permettent de propulser le corps humain dans l'eau. Si tu connais d'autres inventions qui ont permis de changer le monde et qui sont restées
jusqu'ici inconnu de la majorité, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, mais aussi abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum pour rendre ces inventions connues. Merci de nous avoir suivis.